Louis Martin, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, tout d'abord, euh, qu'avez-vous pensé de la formule du débat conservateur, du Parti conservateur d'hier Il faut donner toute la crédibilité à Pascal Léry qui a animé le débat hier soir. C'était fantastique. Malgré la difficulté au niveau du français, je pense que les candidats ont tous été extrêmement ordonnés. Les temps ont été respectés, les questions étaient bonnes. Et surtout, il y avait possibilité pour les militants conservateurs de participer. Moi, au niveau de la forme, j'ai trouvé ça excellent. On en a glissé un mot du français. Qu'en avez-vous pensé? Visiblement, c'était difficile. Euh, ça nous repositionne un peu dans le bain francophone au Québec. Euh, je pense qu'il y avait quoi? Il y avait une 13-14 candidats hier soir qui étaient à ce débat-là. Il y en avait visiblement quatre, peut-être cinq, qui maîtrisaient le français. On, on parle de, de Deepak, d'abord, qui ne disait pas un traitre mot de français. Mme Leach, qui essaie de se rapprocher du Québec, mais qui, encore une fois, n'est pas capable de, de maîtriser facilement le français. C'était laborieux. C'était excessivement laborieux hier, la, la maîtrise du français. Est-ce que c'est très important, selon vous, d'avoir un dirigeant euh, du Parti conservateur qui est bilingue? C'est essentiel. C'est essentiel, c'est définitif qu'on ne, ne peut pas gagner. Le, le, premier, le, le premier ministre peut gagner le Canada sans parler français ou voire même sans parler anglais, doit être bilingue. Actuellement, au Canada, il y a à peu près 100, provinces, 100 comtés où est-ce que les gens ont la majorité francophone. Alors donc, si on ne parle pas français, c'est dire qu'on donne ces 100 comtés-là à qui? À Justin Trudeau. Alors, on part de, à moins 100 déjà. Le candidat qui va être élu doit impérativement parler français pour espérer ravir la, la, la position de premier ministre à la prochaine élection en 2019. On parle d'un premier débat en français. Qu'est-ce qui vous a surpris hier soir? Euh, il y a trois candidats, moi, qui m'ont surpris. Euh, Maxime Bernier était très fort. Je pense, comme à l'habitude, il a montré qu'il était en capacité de défendre, ses, de défendre ses concitoyens, de défendre les valeurs canadiennes, mais aussi les valeurs québécoises. Il y a euh, Chris Alexander, qui est l'ancien ministre de l'Immigration, mais qui est aussi le premier consul général du Canada à, à, au Pakistan, si je ne me trompe pas, qui a été le premier après la chute des talibans, qui a été excessivement solide dans sa manière de présenter ses idées, des, des, des idées qui ressemblent fondamentalement à ce que le Québec a comme valeur depuis les tout débuts. Et un autre candidat aussi qui m'a relativement impressionné s'appelle Monsieur Peterson, qui est un homme d'affaires, qui maîtrisait bien le français, qui était fantastique. À ce moment-ci, la campagne, qui aurait votre... Je dirais que bon, le, la course à la chefferie du Parti conservateur se détaille en trois morceaux, alors donc on doit noter tous les candidats de 1 à 14. Euh, j'irai pour premier choix Maxime Bernier, j'irai deuxième choix Chris, Alec Chris Alexander et j'irai troisième fois M. Peterson, définitivement. Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Kevin O'Leary de se présenter au lendemain du débat? Euh, actuellement, je voyais qu'il y a un mot-clic sur Twitter. Le mot-clic le plus tendance au Québec, c'est Chicken or Larry ». Euh, ça démontre que M. Larry n'avait pas la capacité d'apprendre le français, qu'il n'a pas fait l'effort d'apprendre le français, mais qu'il qu en avait cure d'apprendre le français puis qu'il a décidé juste de retarder sa mise en candidature à, à aujourd'hui ou hier, aujourd'hui même. Euh, moi, je n'aime pas du tout ça. Ça démontre qu'il y, qu y a peu d'intérêt pour les valeurs québécoises, qu'il y a peu d'intérêt pour les deux peuples fondateurs du Canada, qui sont les, le Haut Canada et le Bas-Canada, donc le Québec. Et ça démontre aussi qu'il y a aucun intérêt à apprendre le français. Moi, ça me dérange absolument. Est-ce que vous croyez en un dirigeant québécois? Oui, définitivement, définitivement. Est-ce que ça va faire pencher la balance? Je pense que oui, sauf qu'on ne peut pas passer sous silence que Stephen Harper a gouverné pendant cinq ans sans l'apport du Québec. Alors, est-ce que est, ça va faire la différence? Peut-être, sauf que ce n'est pas un, un essentiel pour moi que le dirigeant du Parti conservateur soit québécois. Qu'est-ce qui permettrait au Parti conservateur de battre Justin Trudeau aux prochaines élections? Je crois que le Parti conservateur doit se replacer un peu sur les chiquis politiques. On est devenu extrêmement à droite sous Stephen Harper. On a essayé de pencher un petit peu vers la gauche dans certaines années. Là, je crois qu'on doit revenir à notre position originelle, qui est un conservatisme fiscal, mais une espèce de de libéralisme plus social. Le Parti conservateur n'est pas un Parti conservateur qui est contre le mariage gay ou voire même l'avortement. Je pense qu'on a essayé de donner cette image-là au Parti conservateur, ce qui est totalement faux. Pour 2019, c'est définitivement un parti qui doit se replacer dans ses bases, qui doit aller séduire son électorat, mais qui doit démontrer plus d'ouverture envers les minorités, envers les homosexuels, par exemple, envers l'avortement pour les femmes, envers les grandes questions sociales du présent siècle. Actuellement, comment va le membership dans la région pour le Parti conservateur? On a eu la chance ici d'avoir deux ministres qui ont particulièrement bien procédé au cours des années de mandat, alors Jean-Pierre Blackburn puis Denis Lebel. C'est certain que, bon, M. Blackburn étant, ayant quitté la scène politique depuis de nombreuses années le membership dans Jonquière en tant que tel, a, a particulièrement descendu. Par contre, M. Lebel, son membership va extrêmement bien. Je pense qu'on a une région qui est forte. Par contre, on a le même poids. Nos comtés ont exactement le même poids que des comtés très, très, très conservateurs. C'est une ancienne technique de la, de, de, du parti réforme, de, du parti de, de Peter McKay, qui était plus à gauche socialement, lui avait dit Les régions, tous les comtés doivent avoir 100 points Alors qu'on est 8 ou 100 millions de membres, on a 100 points à la course. Et donc, au niveau du membership pour la course, ça ne change pas grand-chose. Et selon vous, rapidement, est-ce qu'il y a un sujet à controverse qui va faire pencher dans la balance pour le Parti conservateur? Je vous dirais que définitivement, la place du français doit être excessivement importante au cours de cette course au leadership-là. Euh, moi, je trouve que certains candidats du Parti conservateur essaient de se coller beaucoup, beaucoup à Donald Trump, comme Madame Leach, par exemple, qui fait une politique qui est presque calquée sur Donald Trump. Moi, j'aime pas ça. Ça, ça peut porter à confusion. Puis, il y a certains électeurs canadiens qui vont détester cette, techni cette technique de campagne-là, de se coller à ce que, à M. M. Tr à ce que M. Trump euh, propose. Alors, je pense que définitivement, dans les messages ainsi que la gestion de l'offre, ça va faire scandale. probablement. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. Passez une excellente fin de journée. Merci.